Bienvenue dans le snack. Aujourd'hui, on parle de l'astronome avec la plus grosse poisse du monde. Guillaume-Joseph Hyacinthe Jean-Baptiste Le Gentil de la Galésière est un astronome français du XVIIIe siècle. Et déjà, son nom présage un truc. Au début des années 1760, une idée émerge dans la tête des astronomes, déterminer la distance Terre-Soleil grâce au transit de Vénus, le passage de Vénus entre la Terre et le Soleil. Mais ce transit ne se produit que deux fois par siècle avec 8 ans d'intervalle. Et c'est pour ça qu'une centaine d'astronomes sont envoyés en Asie pour effectuer des mesures. Et Guillaume est de la partie, il va observer le transit depuis Pondichéry, et pour ça il entreprend un voyage de 15 mois, histoire d'être large. Parti de France après une escale à l'île Maurice, il prend un bateau pour Pondichéry, mais la guerre a éclaté entre la France et les Anglais, et Pondichéry est devenu parfaitement inaccessible. Du coup, demi-tour pour l'île Maurice, mais au milieu du voyage, le transit a lieu. Et je sais pas si t'as déjà essayé de mettre un télescope sur un bateau, mais t'imagines bien que ces observations sont dégueulasses. Du coup, Guillaume profite des 8 années qu'il a devant lui pour faire construire un observatoire à Pondichéry dès qu'il en a l'occasion. Et sur l'année qu'il a pour préparer ses observations, le temps est toujours impeccable. Sauf le jour du transit où le brouillard est épais sa mère. Le gentil rentre donc en France, sans observation, et découvre également qu'aucune de ses lettres n'est arrivée à sa famille, qui au bout de 10 ans le croit mort. Sa femme est mariée, il a perdu son poste et ses gosses l'empêchent de reprendre ses biens. Il a tout perdu et il a rien vu. Voilà pour ce snack. Si t'as appris un truc, n'hésite pas à venir grignoter.